Let's go pour une séance de bibi. Tu vois les biceps là? Et les tri-tri. Et un peu de triceps là. On va travailler sur ses bras aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Si tu as envie de te les dessiner, si tu as envie de te les travailler, cette séance va vraiment être fait pour. Ça va être vraiment intéressant de travailler dessus. Tu vas avoir besoin d'une barre, si tu as une barre, ou d'haltères. Moi, je vais avoir deux haltères avec deux poids différents parce que un pour les biceps et un pour les triceps. Après, tu peux te prendre aussi deux haltères pour tes biceps. À toi de voir ce que tu as aussi comme matos à la maison. Etienne, lui, il a pris un petit tabouret parce qu'il est trop grand. Donc, avec la caméra, ça passe pas. Donc, il va venir s'asseoir. Mais tu peux aussi le faire en position assise. Moi, les triceps, je le ferai debout. Donc, à toi de voir aussi ce qui t'a envie de t'asseoir ou pas. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire... Si tu as un élastique chez toi, tu peux essayer de faire avec un élastique aussi. Tu peux te débrouiller à faire un peu comme tu veux. Tu peux refaire cette séance plusieurs fois. Ce qu'on va effectuer, c'est un ladder, une montée à l'échelle. Ou plutôt, là, en l'occurrence, ce sera une descente. On va descendre, on va avoir 8 minutes pour effectuer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, une répétition sur chacun des mouvements. 8 minutes. Tu nous mettras un petit chrono, tu nous diras combien tu as fait, si tu as réussi à finir, si tu n'as pas réussi à finir. Peu importe, on verra ce que ça a donné. Tu peux donc prévoir peut-être juste des petits poids légers pour l'échauffement au début, juste histoire de venir activer un petit peu les biceps et les triceps. Et on va commencer tout simplement sans poids pour le début. Et je vais même commencer assis. Hop. Les bras tendus devant, tout simplement, tu viens faire des mouvements hop, d'épaule vers le bas en essayant de bien stabiliser ton dos, d'aller chercher loin en bas, loin en haut, de faire des grands mouvements de rotation. On fait 5 dans un sens et après... 5 dans l'autre sens. Hop, moi je change. Et moi aussi. Ok. Tu peux prendre tes... Moi j'ai pris des bouteilles d'eau en charge légère, tu vois. Donc Etienne, lui, il prend des poids, des plates. Donc à voir ce que tu as sous la main aussi. Hop. Moi, j'ai pris les deux poids dans les mains. Un petit peu donc, de travail de biceps, quelques reps. Donc, tout simple, hein, tu plies les bras, tu vois, les mains aux épaules, tu retends bien les bras jusqu'à tes cuisses. Quelques reps comme ça. Bon, je suis un peu limité avec les poids, mais au moins, tu vois, tu les travailles quand même, tu les réveilles. L'objectif, c'est de réveiller un petit peu ça. Et après, tu viens ici en iso. Donc, tu as les bras parallèles au sol. Tu maintiens les coudes proches de ton corps, le buste bien droit, les abdos bien serrés. Moi, c'est un pistolet. Hey. Il en faut peu hein, pour il rire. En faut peu pour être c'est exactement ça vraiment très peu pour être ok après on passe hop au-dessus de la tête quelques petits mouvements donc flexion derrière la tête et tu retends pareil bien en amplitude complète le dos bien droit les abdos bien serrés tu plies tu tends donc c'est exactement les deux mouvements qu'on va effectuer hein, pour l'effort ensuite. Et pareil, tu restes au milieu, tu bloques, tu resserres bien tes coudes ici, proche de la tête, un maximum en tout cas. Les épaules basses, le dos long et droit. Toujours avec les abdos bien actifs. Bah mine de rien, avec des bouteilles d'eau, ça me chauffe déjà. Ça va être sympa ce petit effort. Alors j'imagine même effort, pas là. Avec les poids que je me suis mis là. Je sens que je vais aimer cette séance. Où est-ce qu'on a mis notre bouteille d'eau? Ah, elle est là, pour boire. Ok. Allez, super. Tac, je bois un petit coup. Prépare bien tes poids. Prépare ta charge. Tu peux tester un petit peu ta charge si tu veux. Après, tu pourras refaire cette séance plusieurs fois. Elle est intéressante à faire comme ça, si tu as juste 10 minutes. Ou elle est intéressante aussi à faire après une séance. En finisher. En finisher. Donc, tu peux aller faire des séances avec nous d'Animal Flow, d'autres séances de renfo, des séances de cardio plus intenses, des petits WOD. Et finir par ça, ça peut être aussi super intéressant. Let's go. Yes. Tu mets le chrono. On commence avec les biceps. Dans 10 secondes, ça démarre. On fait 10 reps en biceps. On enchaîne avec 10 reps en triceps. Et après, on fait 9 reps en biceps, 9 reps en triceps. Ah oui, t'avais pas compris que c'était Let's go. Allez, go. Flexion, extension. Fini bien ici. Tu emmènes le plus haut possible. Tu peux lever légèrement les coudes même.
T'en as fait combien? 5. Et elle a déjà pris de l'avance. On veut pas voir de coups comme ça. Ok, tu restes gainé. Tu fais pas ça. Reste ça, vraiment. Le truc. On fait intelligemment les mouvements correctement. Et ben moi, je pense que j'ai vraiment pris les bonnes charges. Et hop, ça va être vraiment sympa. Sur celui-ci, c'est la même chose. Fais attention, tu vois, à ton dos là. Ici, à pas cambrer, à venir serrer les abdos, à pas monter les côtes, à vraiment rester fixe au niveau du centre du corps. J'ai pas compté, j'ai parlé, tu vois. Et du moi, coup... j'en suis à 6. T'as pas compté, donc tu continues? Non, bah, j'ai commencé déjà bien avant toi. Je pense que j'en ai fait 12 de rep. Et donc après, une fois que t'as fait 10-10, une fois que t'as fait tes 10-10, hein, ça passe à 9. Allez. Moi, je peux te dire que les 10 m'ont déjà bien réveillé. On va commencer à avoir les grimaces. Hein. Ah oui. Bon, au début, tu vas voir, ça va être... C'est assez long, puis après, quand tu arrives en dessous de 5, ça commence à aller plus vite. Ouais, ça va vraiment plus vite après. Là, si tu fais à 7, on aura déjà fait la moitié au final de l'effort, quasiment. Et après, si tu peux plus bouger, ça sera normal. Ok pour 9. Ouh là 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 là. C'est de plus en plus lourd, c'est normal. On est dans la... Il va nous rester 6 minutes là, à peu près. Je pense que c'est normal, ouais. 3. On est de plus en plus moche, c'est normal. Et 8. Je crois que j'en ai fait une de trop encore. Oh là là. Ah, c'est bien, tu comptes pas. Tu peux te rattraper. Je compte bien sur les biceps parce que j'ai plus mal sur les biceps que sur les triceps. Moi, ouais, c'est l'inverse. Oh là 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 là. Je commence à faire des mini-pauses. Sur les biceps, ça s'en va bien. Allez, on dépasse les 5 minutes là. Accroche-toi. Oh là là. Allez, t'es avec nous là. Moi t'es avec nous. Mais 6. 7. T'es dans l'étape qui va commencer à aller vraiment vite toi. C'est bien. Je sens que tu vas finir avant. Moi, je sens que j'ai plus de bras. Quelle idée d'avoir mis cette charge. Allez. Et 7. Oh là là. Je me suis allez, accroche-toi. Surestimé sur les biceps, je crois. Oh, moi aussi. Oh là là, ça, je tire la langue. Et 6. Faut que je pose. Faut que je pose. Oh là là, mais on a plus de temps. 3:30. Ouh. Allez. T'en es à combien? Je suis sur mes 4. Oh là là, t'as bientôt fini. Trois. Oh là là, la quatrième, dis donc. Elle passe vite, hein. C'est la séance où il y a le plus de... Oh là là, oh là là, ululu. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est trop dur. Comme quoi, tu vois, biceps, triceps, ça picote. Hein. Ah bah là, oui, l'enchaînement est sympa.
Allez, on arrive sur la fin. Ça va le plus vite, là. Ça, c'est bien, ça, quand on a passé les caps. Ah, ouais. Il va nous rester 2,30 à peu près. Oh, c'était grimace, là. T'en es où? Là, je fais les 4. T'as fini? Ouais, il me reste les 1. Allez, on va bientôt arriver dans les 2 minutes. Bientôt. Je la fais bien, la dernière. Allez, allez, lâche pas. Toi non plus, qui est derrière, tu ne lâches pas. Hein. Tu continues jusqu'au bout. Quatre. Allez, allez, quatre, là, tu vas pouvoir finir. Ça va le faire. J'étais à 5 ou à 4 quand je t'ai dit. Oh, je sais plus. Voilà, tu faisais 4. Je crois que je suis à 3 là. Ah, 3. Oui, là, t'as compté 4 sur les triceps. En tout cas, je t'ai entendu dire 4. Ouais. Donc là, c'est 3. Allez. Donc là, si t'as l'impression que tes bras ont triplé de volume, c'est normal. Si tu essaies de mettre une chemise un petit peu collée tout de suite derrière, tu risques de ne pas rentrer tout de suite derrière. Donc attends un peu. Allez. Allez, les 2. Yes. T'es content de t'asseoir quand même, hein? Ouais, je suis super content. Yes, bien, tu vas pouvoir finir. Il nous reste un peu moins. On arrive aux alentours des 30 secondes, là. Allez, allez, c'est bien. Une jolie rep. Ouh. Il s'autorise même un petit peu de récup, tu vois. Ouais. Ok. Top. Super. Alors, combien t'as fait? Bravo, top là. Super, moi je pars dans la piscine. J'en peux plus. Il te reste encore quelques secondes, hein. Je pense à peu près 20 secondes, un truc comme ça, même pas peut-être. Donc prends le temps de terminer jusqu'au chrono. Et dis-nous après en commentaire, est-ce que tu as réussi à faire jusqu'à 1 ou est-ce que bah, tu t'es arrêté à 2 reps, à 3 reps, à 4 reps, peu importe. Si tu as fait les 2 en moins de 5 minutes, je pense que tu n'as pas mis assez sur, sur non, ta c'est charge. Sûr. Oh, d'accord, j'ai une mouche qui vient. Normalement, on est à la limite, tu vois. Nous, on a fini. Moi, j'ai fini 1 minute 30 un petit peu avant. Etienne, un peu moins. Pas plus, tu vois. Une grosse minute, mais pas plus. Moi, je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus lourd sur les triceps. Si tu penses, c'est que tu peux mettre plus lourd. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu penses, c'est que tu peux mettre plus lourd. J'ai une mouche qui est mon ami là, qui vient sur ma transpi. C'est cool. Bravo en tout cas. Bravo d'avoir fait cette séance. Dis-nous en commentaire comment tu t'es senti. Combien t'as fait, la charge que t'as pu mettre. Ça te permet d'enregistrer toi aussi ton score et de pouvoir venir le refaire plus tard. Donc c'est vraiment intéressant de suivre ta progression comme ça. Parce que la progression et le fait de noter des résultats, le fait de noter des sensations, le fait de noter un état d'esprit, le fait de voir comment tu te sens dans ta journée et comment t'évolues, ça fait partie de ta progression. Vraiment, ça fait partie de ta progression. T'en as qui disent que si tu ne mesures rien, tu ne peux pas avancer. Et donc là, on a besoin de prendre des mesures, on a besoin de voir où t'en es pour pouvoir avancer derrière. De toute façon, on t'en parle dans notre pack transformation. J'ai des gouttes qui viennent. Dans notre pack transformation, il est totalement gratuit. Tu as juste à le télécharger, à le récupérer en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo.